Je m'appelle Bruno Cadenne, j'ai 60 ans. Je travaille à la rédaction internationale de Radio France. Il y a 6 ans exactement, j'ai eu un AVC hémorragique. Je suis rentré chez moi, à la maison. J'ai ouvert une bouteille de vin, j'ai posé la bouteille et d'un seul coup, pouf, je suis tombé. La moitié de mon corps ne pouvait plus bouger. Mais en plus, je ne parlais plus. J'ai pris mon téléphone de la main gauche, alors que normalement je suis droitier, et j'ai eu Galina. Et puis quand j'ai voulu lui parler, j'ai fait. J'entends des gémissements, des cris, des bruits très étranges. Au bout de quelques instants, j'ai deviné qu'il disait à l'aide. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait ouf, et puis je suis tombé dans le sommeil. Mon corps ne bougeait plus du tout, la jambe ne bougeait plus, le bras ne bougeait plus, mon visage me trahissait. Pour dire oui, je faisais non, et bien inversement. La seule personne qui pouvait changer cette situation, c'était Bibi. Le médecin, il pouvait rien faire, à part me faire comprendre que c'est à moi de faire quelque chose. J'ai commencé à prononcer un mot au bout d'un mois et demi, Bruno. Les exercices de kiné, vraiment, vous savez pas ce que c'est. Quand la moitié de votre corps ne bouge pas et qu'on vous demande de faire 1 heure de kiné, c'est le truc le plus terrible. Quand vous ne pouvez plus bouger et qu'il faut bouger, ben c'est dur, hein. Des fois, c'est un petit centimètre et c'est une victoire extraordinaire d'avoir bougé 1 centimètre. Je travaille avec des médecins. En plus de ça, je travaille tout seul un programme de l'hôpital de Créteil qui est spécialisé dans l'AVC. Je fais 3 heures et demie de travail par jour. Je fais 10 000 pas par jour en moyenne parce que j'ai besoin de marcher en plus. Et je travaille le mercredi pour la radio en faisant des articles à la maison pour la rédaction internationale sur l'Europe centrale et orientale. Ce n'est pas encore de la radio parce que je ne suis pas capable de bien parler. Mais vous imaginez, il y a 6 ans, je ne prononçais pas un seul mot. Entre prononcer un mot, Bruno, et puis parler pour écrire des papiers sur l'Europe de l'Est, il y a une marge hein, quand même. Mon but vraiment final, c'est de refaire un reportage de la radio. Peut-être que les gens qui regardent, ils sont complètement cons, ils disent, jamais il n'y arrivera. Et n'empêche, il y a 6 ans, je ne parlais pas du tout.